Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour le chapitre 2 de Boruto To Blue Vortex. Évidemment, avant de commencer le chapitre, instant auto-promo, mais bien évidemment, Wolfius, mon manga qui sortira le 31 octobre 2023. Oui, sur Manga Draft, je te mets le lien en description, comme ça tu pourras regarder mon manga. Mais je sais que t'es venu exprès pour regarder le chapitre 2 de Boruto To Blue Vortex, alors let's go! Boruto et Sarada qui font face à Code et toutes les crasses d'ongles. Je t'ai cherché, Boruto, je ne pensais pas que tu viendrais si facilement. Et Code qui dit, si j'avais su, je serais venu plus tôt à Konoha. Mais Boruto qui lui répond, évacue tous ces monstres, n'en laisse pas un seul ici. Fais-le pendant que tu les maîtrises encore. Alors, je te laisserai tout juste la vie sauve. Et Sarada qui est étonné, Code qui est tout aussi surpris. Hey, attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Et Code qui explique, il y a 2 ans, tu t'es enfui parce que tu ne pouvais rien contre moi. Et maintenant, tu viens de me dire, tu me laisseras tout juste la vie sauve? Et Boruto qui ne plaisante pas. Tu m'as entendu alors? Si tu as compris, dépêche-toi. Sinon, cette fois, tu ne perdras pas que ton œil gauche. Et Code qui n'a pas peur. Je suis sidéré. Quand le bluff atteint un tel niveau, on ne peut qu'en rire. Et Sarada qui reste de marbre. Boruto. Boruto qui ne se retourne même pas vers elle. Sarada, de nombreux habitants n'ont pas eu le temps de fuir. Je compte sur toi pour t'occuper d'eux. Je me charge de lui. Mais Sarada qui s'inquiète. Boruto, ça va aller pour toi? Mais Boruto qui ne lui jette même pas un regard. On discutera plus tard. Pour l'instant, reste en vie. Et Sarada qui ne dit rien. Shikadai qui joint ses deux mains et balance Kageshibari, la prise des ombres. Et 3 ombres qui s'étirent et paralysent 3 crasses d'ongles pendant que Chocho se précipite vers eux. Chocho qui agrandit son poing et frappe une crasse d'ongle en plein dans le bide. Et Chocho qui enchaîne d'un coup de pied pour balayer les autres crasses d'ongles. Imawari qui est impressionné, accompagné d'Inojin en haut d'un oiseau fantasmagorique. Chocho qui est élancé et sûr d'elle. Ces types, ils sont juste nombreux, ils ne sont pas si forts. Mais une crasse d'ongle qui sort d'une autre crasse d'ongle grâce au marquage de Code. La crasse d'ongle qui arrive par derrière Chocho et qui est sur le point de la mordre. Shikadai qui crie « Chocho, derrière toi !» et les griffes d'un oiseau qui agrippe la crasse d'ongle et l'emporte dans les cieux. Il s'agissait d'Inojin et Imawari qui viennent de sauver Chocho. « Je te jure, ne relâche pas ta vigilance, la grosse !» Chocho qui lui répond « Je ne suis pas grosse, merci Inojin !» Mais la crasse d'ongle qui découpe l'aile de l'oiseau avec un coup de queue. Imawari qui perd l'équilibre et tombe de l'oiseau fantasmagorique. Et la crasse d'ongle qui se précipite dessus et ouvre la bouche pour la croquer. Mais Kawaki qui débarque et arrive à pleine vitesse en volant. Il fout un gros coup de pied à la crasse d'ongle pour l'envoyer s'écraser au sol. Mais la crasse d'ongle qui parvient à se réceptionner au niveau du sol. La crasse d'ongle qui grogne et on peut voir apparaître un Rinnegan sur la face gauche de son visage. Inojin qui aide Imawari à se réceptionner au sol et Imawari qui dit « Merci grand frère !» Mais Kawaki qui la remet en place. « Je t'ai dit d'arrêter de m'appeler comme ça! Combien de fois dois-je te le répéter ?» Et Imawari qui ne comprend pas. « Mais... » Et Shikadai qui constate « Hé, celui-là semble différent des autres sbires de crasse. On dirait qu'il est un cran au-dessus. » Et la crasse d'ongle qui apparaît derrière Kawaki grâce à un marquage de Code. La crasse d'ongle qui attrape Kawaki et l'enfonce au sol tout en l'étranglant. Et la crasse d'ongle qui dit « Oh, oh, Tsu-Tsu-Ki !» Mais une ombre qui enlace le corps de la crasse d'ongle et l'empêche de bouger. Shikadai qui crie « Vite, échappe-toi Kawaki, je ne tiendrai pas longtemps !» Et Kawaki qui active son Kama, il tend la main vers la crasse d'ongle, Otsutsuki. Et Kawaki qui explique « Être appelé de la sorte, c'est ce que je déteste le plus !» Et Kawaki qui envoie un énorme nuage de flamme qui sort de son Kama. Et la crasse d'ongle qui tombe à la renverse, complètement carbonisée. Mais d'autres crasses d'ongle qui sortent d'une crasse d'ongle et font face à nos amis. Et Shikadai qui grince des dents. On n'en voit pas le bout, fais chier, y en a combien? Et Kawaki qui est énervé. Peu importe, de toute façon, on n'en laissera aucun. On va tous les tuer. Boruto qui ne rigole pas et se fait encercler par les crasses d'ongles. Une crasse d'ongle qui s'élance sur lui à partir d'un angle mort, mais Boruto qui dégaine son sabre à une vitesse prodigieuse et tranche la crasse d'ongle. Boruto qui range son sabre dans son fourreau et le corps de la crasse d'ongle qui se sépare en deux. Et les crasses d'ongles autour de Boruto qui se mettent en mouvement. Mais Boruto qui dégaine aussitôt son sabre et fait un mouvement circulaire qui tranche toutes les crasses d'ongles autour de lui. Et Boruto qui range son sabre dans son fourreau et toutes les crasses d'ongles qui tombent par terre. Découpé en morceaux. Et Code qui est désemparé. Finalement, ce n'était pas que du bluff. Et Boruto qui prévient Code. Si tu as l'intention de continuer, il n'en restera vraiment plus un seul. Mais Code qui ne se laisse pas faire. Ne t'y crois pas trop parce que tu en as tué quelques-uns. J'en ai encore des tas et des tas de plus. Pour moi, ce ne sont que des outils. Mais Boruto qui le reprend. Tu n'as pas compris qui est le Jubi et ce qui le rend si effroyable. Et Code qui est surpris. Quoi ? Sarada qui s'élance sur une crasse d'ongle et compose des signes ninja. Elle balance alors un katon, boule de feu suprême.
la crasse d'ongle qui est en train de brûler, et Sarada qui poursuit sa course vers les autres crasses d'ongle. Elle concentre son chakra au niveau de sa main et le transforme en électricité. Chidori ! Et Sarada qui transperce les dernières crasses d'ongle avec son Chidori. Et les crasses d'ongle qui s'écroulent tous par terre. Les autres ninjas qui sont impressionnés. Impressionnant ! Es-tu vraiment aspirant ninja ? Et Sarada qui répond : on s'en fiche, non ? D'être aspirant ninja ou ninja supérieur. Mais une crasse d'ongle qui surgit de derrière elle pour la mordre. Et Soegi qui crie : Uchiwa, derrière toi ! Et Soegi qui s'interpose entre Sarada et la crasse d'ongle, mais se fait mordre à l'épaule. Sarada qui est surprise : mais il, monsieur Soegi ! La crasse d'ongle qui mord Soegi et fait pousser des écorces au niveau de son dos. Et la crasse d'ongle qui se transforme en arbre avec Soegi. Et Sarada qui se pose des questions : c'est un arbre ? Code qui précise : je connais bien Jubi, évidemment. Code qui explique : il dévore les Otsutsuki, mais en réalité, cette bête suit son instinct et dévore tout ce qui passe sans distinction, jusqu'à ce qu'elle finisse par tomber sur un Otsutsuki. Mais Boruto qui le coupe, c'était peut-être le cas à l'origine, mais eux sont différents, parce que tu les as modifiés. Et Boruto qui prévient de nouveau Code, il est encore temps, débarrasse-toi d'eux tant que tu tiens encore les rênes, sinon ce qu'il y a au bout, c'est le pire des futurs pour tout le monde. Code qui demande, pourquoi tu dis ça maintenant ? Si Jubi dévore un Otsutsuki, il prend racine dans le sol et devient un Shinju, et la planète meurt. Mon objectif est justement d'atteindre le pire des futurs. Mais Boruto qui le regarde de haut, je te le répète une dernière fois Code, je te laisserai tout juste la vie sauve. En échange, emmène-moi là où se trouve le corps principal de Jubi. Et Boruto qui précise, je vais être clair, te tuer est facile. Mais si tu es prêt à mourir pour rien, autant être utile au monde, pas vrai ? Mais Code qui ne se laisse pas intimider. Tu ne comprends rien, c'est toi qui vas mourir. Et Boruto qui est blasé. Il n'y a pas de remède à la bêtise. Et une spirale de chakra qui entoure la main de Boruto. Code qui se dit, pfff, l'ordre tourbillonnant, il ne sait faire que ça. Et Boruto qui respire la classe et qui prépare sa nouvelle technique. Rasengan Uzu Hikko.